Léa rêve d'ouvrir une pâtisserie, mais elle ne sait pas par où commencer. Elle se rend à la chambre de métier et de l'artisanat près de chez elle. Ça tombe bien, une réunion d'information collective est organisée. Là, on l'informe sur son secteur d'activité et sur les services proposés pour concrétiser son projet. Léa prend ensuite rendez-vous avec Antoine, conseiller économie. C'est lui qui va l'accompagner tout au long de son projet. Études de marché, aide à la recherche du local, élaboration du montage financier et juridique, rédaction du prévisionnel, recherche de financement, tout est passé au crible. Léa comprend vite que la reprise d'entreprise serait plus adaptée à sa situation. En effet, elle gagnerait du temps grâce à une activité clé en main, clientèle comprise. Antoine l'encourage dans ce sens, car 95% des transmissions d'entreprise sont réussies. De plus, la CMA a une véritable connaissance du marché et du territoire. Antoine connaît justement une pâtisserie à reprendre dans son secteur, celle de Jean. Il organise alors une rencontre. Le contact passe bien. Ils s'entendent pour poursuivre l'aventure. Et pour cela, Léa sera accompagnée par la CMA jusqu'à la transmission de la pâtisserie. La voilà rassurée. Transmission ou création d'entreprise, les CMA vous accompagnent dans tous vos projets.